La lettre me regardait. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans cette lettre. L'écriture était ronde et jolie. Tu es dans un roman. La vérité fendait mon crâne. Une lumière verte nettoyant les mensonges. Mon passé était fragmenté comme des tirs. Les mots suspendus en l'air comme des ballons. J'étais dans un roman. C'était la pire des choses à laquelle je pouvais penser. Le barman est un vermisant, et les rêves sont faits de nécromanciens. Ils chantent comme un régime de bananes restés trop près des constellations sur leur crâne rasé. La pluie de grenouilles s'est arrêtée. C'était un faux numéro. Des mots dégoulinés du téléphone. Je n'arrivais pas à leur donner un sens. Mais j'avais une sensation de déjà-vu. La voix au téléphone me semblait si familière. L'étrange morceau de papier avait l'air dangereux. La lettre devant moi me semblait étrangement familière. Écrite. La lettre devant moi me semblait étrangement familière. L'écriture était ronde et jolie. Tu es dans un jeu informatique, Max. La vérité était une fente verte et brûlante dans mon cerveau. Des exercices de tir, des chiffres qui flottaient dans l'air et me faisaient de l'œil. Mon tir répété, sans fin, au ralenti, mes gestes décomposés. Le sentiment paranoïaque d'être un pantin. J'étais dans un jeu informatique. C'était la pire des choses à laquelle je pouvais penser. Attention, c'est de la drogue, la Valkyrie. Réveille-toi et essaie de te souvenir. C'était un faux numéro. Des mots dégoulinés du téléphone. Je n'arrivais pas à leur donner un sens, mais j'avais une sensation de déjà-vu. La voix au téléphone me semblait si familière.
Il s'est passé quelque chose au bureau aujourd'hui. Un étrange mémo qui parlait des Vikings. Chérie, je dois filer. Tu me raconteras tout cela ce soir. Bonne journée, chérie. Les impacts étaient des rubis sur sa poitrine. Le sang brillait sur sa peau blanche. Elle était si belle. Le tueur souriait. La chair des anges déchus. Lentement, le cauchemar vert s'était évanoui, laissant des taches sombres indélébiles sur mon âme. J'étais épuisé, complètement secoué. Je me réveillais dans une sueur froide, malade et épuisé, gisant dans une flaque de vomi. Avant que tout s'embrouille, la sorcière avait dit « Conduisez-moi à Cold Steel ». C'était un indice, le seul que j'avais. Il m'avait fallu une éternité pour me mettre debout et rejoindre la rue. Je fonçais ensuite à la fonderie Cold Steel en dehors de la ville. L'endroit était très animé pour une nuit glacée d'hiver. Des camions allant et venant, des hommes courant. J'avais un coup d'avance sur la sorcière. Elle me croyait mort et j'avançais à couvert. J'entrais. Ce mauvais trip m'avait rendu hyperactif, l'adrénaline pompant activement dans mes veines douloureuses. Je me faufilais sur le toit de la fonderie, à l'image d'un ninja invisible. Je ne trompais personne. Au mieux, j'étais Superman, sur Krypton, sur le point de tomber d'une verrière, le point névralgique. Une zone industrielle à moitié abandonnée au milieu de nulle part. L'usine était une façade idéale pour de nombreuses activités illégales. Le ventre de l'usine produisait du métal en fusion, bouillonnant comme le breuvage d'une sorcière. Météorologique dangereuse. Tempête meurtrière jamais enregistrée sur la ville. Véhicule bloqué dans la neige. Chute de neige importante. Aucune amélioration n'est en vue. La neige tombait dans la nuit comme des confettis sur le carnaval du diable. La tempête était loin de s'arrêter.
Thank you.
périmètre. Site compromis. Je répète, site compromis. Lancez opération mort dans les yeux. Le message crachoté par le talkie-walkie signifiait une seule chose. Ils allaient détruire la preuve et s'évanouir dans la nuit. J'étais si proche. Les vérités cachées étaient à portée de main. Le dossier sur la table contenait une horrible histoire. L'opération des mercenaires était particulièrement bien préparée. De la marchandise a encore disparu. Un chimiste a tenté d'en mettre de côté. En attendant, je l'ai enfermé en cellule B7 du vieux bâtiment D6. J'étais assez proche pour entendre ce qui se disait de l'autre côté de la porte.
projecteur m'a montré le chemin. Les écrans de la salle de contrôle affichaient des diagrammes de traitement, sauf un. Des six s'affichaient sur l'un des écrans, quelque part devant les rangées de fours, en plein cœur de l'usine.
Je me sentais comme Bogart dans le rôle du détective mythique Marlowe, ou de Sam Spade à la recherche du faucon maltais, à la découverte de tous les mystères. Suivant des indices jusqu'à cette découverte que fait Brad Pitt dans un carton ensanglanté à la fin de Seven. Vous ne pouvez pas faire ça! Mes hommes sont encore à l'intérieur! Tu sais pourquoi cette opération s'appelle Mordant les yeux? Je crois qu'il est déjà mort. Allons-y. On a de la compagnie. J'ai déjà vu ce logo. Il y avait un vieux bunker de l'armée sous la fonderie. Je reconnaissais la plaque militaire par terre. J'avais vu des milliers de tags différents de cette représentation sur les murs en briques de la ville, l'épée remplacée par une seringue. Projet Valhalla. V pour Valkyrie. V pour Valhalla. Subitement, cette histoire avait tout d'une conspiration. L'affaire Valkyrie était un mystère pour moi, le code de la porte aussi. Le chimiste utilisait son ordinateur. La vie de ce rat de laboratoire s'était achevée en ligne, son mot de passe clignotant à l'écran. 665, le voisin de la bête. Thank you.
Je pensais que j'allais mourir là-dedans. Vous devez me conduire au sas de décontamination. Vous êtes fou? Pas question. Ça va sauter, pour l'amour du ciel. Tu me conduis là-bas ou tu retournes dans ta cellule? Tu choisis. Ok, ok. Je vais le faire. Piégé au beau milieu de cette toile qu'était l'affaire Valkyrie. Le logo du projet était affiché sur l'écran d'un des terminaux. Valhalla, palais de l'autre monde dans la mythologie nordique. Où les guerriers les plus courageux festoyaient et se battaient pour l'éternité. Leurs blessures, miraculeusement guéries, nuit après nuit. Valkyrie, jeune vierge qui choisissait les plus vaillants guerriers vikings pour les conduire au Valhalla. 1991, l'objectif de la recherche est de créer une substance chimique capable d'améliorer la vigueur et le moral des troupes d'infanterie. 1995, résultat insatisfaisant, projet annulé. Quelqu'un avait décidé de poursuivre cette expérience interdite. Projet compromis. Fuite de données. Réparer le dommage par tous les moyens nécessaires. Issue de secours rouge autorisée par cette fuite. Doubler la dose de tous les sujets d'études, observer et enregistrer leur comportement dans un environnement urbain. L'adresse dans le dossier était la mienne, dans le New Jersey, 3 ans plus tôt. Juste quand tu penses avoir atteint le fond de l'horreur, tu t'aperçois qu'il y a encore pire. Comment faire taire cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu devrais être content parce que ta vengeance est à présent justifiée sur l'échelle de la moralité? Cette petite voix était la preuve indéniable que j'étais maudit. La femme au talon aiguille était venue et repartie depuis bien longtemps. Je ne pouvais rien trouver d'autre ici. Le nom du bunker n'était pas une prophétie qui se réalisait. Thank you.
rassembles les pièces et tu t'aperçois que c'est toujours le même puzzle. Un tueur fou aux yeux verts qui se tient derrière toi, et la légende urbaine devient réalité. Les sujets d'études du projet Valhalla étaient ces camés qui avaient tué ma famille. Le reste n'était qu'un simple décompte de cadavres. Tout me ramenait à elle, Madame Valkyrie. L'usine disparut dans un enfer de flammes. Toutes les preuves étaient parties en fumée. J'étais perdu. Je n'avais pas dormi depuis des siècles. J'étais cadavérique. Je n'avais mangé que des beignets rassis, le seul carburant qui alimentait cette folie qui mollait mon esprit. Je ne savais plus quand j'avais vu le soleil pour la dernière fois. J'étais toujours en route vers le cimetière. La nuit tombée, New York prenait un autre visage, contrairement à ce que disait la chanson de Sinatra. Des choses terribles se produisaient dans les rues de cette autre ville, New York, la ténébreuse. J'étais dans un restaurant ouvert toute la nuit, j'avalais café sur café. Un café au goût d'huile de moteur, quand un nouveau message de BB me mit sur la piste du tueur. Que s'est-il passé à Roscoe Street? Maxi, je prends des risques ici. Nous devons discuter d'un plan. On se retrouve à 2h30 au parking habituel. Plus je pensais au meurtre d'Alex et au coup monté, plus j'avais le sentiment que ça venait de l'intérieur. J'aurais dû le voir venir. Bébé m'avait vendu. Et il voulait terminer le travail. Le garage était désert. Bébé portait un costume taillé sur mesure, une montre en or et des boutons de manchette assortis. Rien qu'un flic pouvait se permettre. Maxé. Avec son charme écœurant, il était coupable jusqu'au bout. Au fait, bébé, ce sont les initiales de quoi? Bâtard la balance? Allons, ne le prenez pas comme cela. Prenez un cigare. Je ne fume pas. Maxi, vous ne savez pas sur quoi vous êtes mis. Histoire énorme, vous n'avez pas idée. Oh si! Vous êtes un ripou et vous avez vendu votre partenaire. Cette truand dans le métro n'était qu'un leurre. Difficile de ne pas tomber dans le panneau, hein? Je parie que ça s'est passé comme ça avec Alex en toute intimité. Tu ne peux pas gagner cette fois, Max. Non, mais je te jure qu'aucun de nous ne gagnera. Bébé s'avérait être un autre de ces arrivistes prêts à tout. Un ripou. Qui s'enfuyait lâchement, laissant ses hommes de main faire le sale boulot.
signale l'incendie du manoir Punchinello à Westchester. Il s'agit du domicile d'Angelo Punchinello, le parrain présumé de la famille du crime Punchinello. La police nous précise que, contrairement à ses précédentes déclarations, Max Payne est en vie. Il poursuit sa vendetta contre la mafia. Il est en outre soupçonné d'être l'auteur de cet incendie criminel. Je me souvenais des flammes, mais pas d'avoir allumé l'incendie.
téléphone public s'était mise à sonner. Ouais ? Max Payne. Si ça vous fait plaisir. Alfred Wooden. Je peux vous donner le nom de votre ami. Nous vous attendons. Immeuble Asgard. Wooden m'attendait sur les marches du vieil immeuble. Mr. Payne, entrons. Les autres ont hâte de commencer. Les autres ? En dépit de sa mauvaise conception, ce bâtiment a été construit 2 ans avant la mairie, ce qui en fait le plus ancien bâtiment municipal encore utilisé, comme Brooklyn. Sans blague. Le vieil homme me guidait tout en m'expliquant l'histoire du bâtiment. Les réponses à mes questions étaient là. Mr. Payne, permettez-moi de vous présenter mes collègues de ce que nous appelons le Cercle des Initiés. Vous regardez trop X-Files. Vous avez vu les dossiers du projet Valhalla. Nous pouvons répondre à vos questions, fournir les informations qu'ils ne contiennent pas. Nous avons tous participé au début du projet, lors de la guerre du Golfe. Quel est le rapport ? Nous souhaiterions vraiment mettre cela au grand jour, mais nous avons les mains. Nicole Hall. Elle était au centre du projet Valhalla. Quand le financement du projet était suspendu, elle a refusé d'arrêter. Elle savait exactement ce qu'elle tenait. Nicole Home est la présidente de Aesir Corporation. Elle a plus de la moitié de la ville dans sa poche. Ceci doit rester secret. Si vous veniez à révéler ces informations, nous serions forcés de tout nier. Nous avons besoin que vous la mettiez hors circuit. Nous pourrons ensuite vous protéger et levez les charges qui pèsent sur vous. C'était le signal pour les tueurs de pousser les portes et d'entrer dans la pièce. Je vais voir sur un moniteur ce qu'il restait du cercle des initiés. Le soi-disant cadavre d'Alfred Wooden se relevait miraculeusement, l'air satisfait au milieu de ses collègues décédés. Au royaume des aveugles, le borgne roi. Je ne savais pas comment il avait fait, mais c'était un moyen astucieux de se débarrasser de ses promesses. Tout ce qu'il avait dit collait très bien pour être un tas de foutaises. Thank you.
service à la ville. Cette croisade insensée a été trop loin. Il a perdu le contrôle. Il doit s'arrêter. Nous allons y mettre un terme. C'était Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Sur le bureau. Nicole Horn avait fait chanter le cercle des initiés pour le faire taire. Une demande d'argent rédigée sur du papier de première qualité accompagnait la cassette. Je me souvenais à présent que Candy Dawn filmait ses clients pendant leurs ébats et vendait les bandes aux plus offrants. J'étais sûr que les habitudes sexuelles de Woden n'étaient pas son pire défaut. Et j'avais le sentiment que lorsque tout serait fini, les à côté seraient révélés. Stopper l'incroyable succès de Heiser Corporation. Les actions du groupe ne cessent de grimper. Les experts inquiets voient déjà un danger dans la réussite de la société. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'Heiser Corporation est sur le point de devenir un monopole encore plus important que Micro. Woden m'avait fait un cadeau. Woden avait préparé ma mission avec une précision militaire. Les zones critiques du siège d'Heiser Corporation étaient entourées en rouge sur les plans. Le bureau de la présidente était au dernier étage du bâtiment, sous ses appartements privés. Les ascenseurs étaient contrôlés par ordinateur, une partie du circuit principal situé sous le bâtiment. Le sommet du bâtiment était aussi difficile à prendre qu'une forteresse. Thank you.
combat. J'avais rêvé de me venger. Ces rêves étaient des cauchemars. Je me rapprochais, puis j'échouais. Cette fois, j'étais proche. J'avais un nom. Nicole Horn. Je n'avais rien à perdre. Le cercle des initiés avait un sacré passé. N'était pas seulement impliqué dans le projet Valhalla. Il y avait des rangées de casiers remplis de dossiers. La société secrète tirait les ficelles dans l'ombre depuis très longtemps. Je ne pouvais pas dire que j'étais désolé que le cercle ait été démantelé par la petite partie en solo de Woden. Le vieil homme voulait que je trouve le terrain nettoyé. J'avais ma part dans ce désastre.
Mon approche du problème n'était pas la plus originale. Elle avait souvent servi, œil pour œil, le premier principe de vengeance, vieux comme le monde. La règle était de ne pas impliquer les sentiments personnels quand on suivait une cible à abattre. Ce qui finissait toujours par arriver malgré tout. Qui n'avait pas échappé. Je prenais mon temps en me promenant dans la ville enneigée. Je n'étais pas pressé. Je savais ce que je devais faire. Je réfléchissais, aidé par la rage. Une fois prêt, je garais la voiture volée devant l'entrée du siège d'Azer Corporation. J'entrais. J'avais réservé une balle pour Nicole Hall. J'avais réservé une balle pour chaque truand. Elle avait des systèmes de sécurité ultra sophistiqués, suffisamment de mercenaires et d'armes pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. La peur était absente. New York disparaissait derrière un voile neigeux. Je franchissais le seuil. C'était son domaine, soigné, sexy et froid, tout en verre et en acier. Carte de sécurité codifiée par couleur, détecteur de métaux et système de surveillance. Plus froid qu'une banquise, aussi froid qu'un revolver.
pleine forme, je vois. Max, nous devons cesser ce genre de rencontre. Il fera froid en enfer le jour où un flic dit si tu viendras m'arrêter. Mademoiselle Sachs, faites votre travail. Relax, Max. T'es un mec bien. Je ne tue pas les mecs bien. Je peux te retourner le compliment. C'était différent quand Horn m'a demandé de tuer Punchinello pour rompre ses liens avec la mafia. Il méritait de mourir. Elle aussi. C'est elle le mauvais ici. Sa sœur lui chuchotait de ne pas me tuer. Je connaissais intimement l'appétit des fantômes. Leur appétit de vengeance. Max ! Non ! Un coup de feu retentit et elle tomba à l'encontre. C'était une fille bien. Pas un tueur de sang-froid. Elle était morte. L'armée privée de Horn était dans la poursuite comme des fanatiques religieux ou des samouraïs. Devant l'assistance. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvrit, Mona n'était plus là. Beaucoup de sang, mais plus de corps. Les pièces s'imbriquaient enfin. Mon esprit n'avait jamais été si clair, comme si les nuages avaient quitté le ciel, les étoiles brillant dans la nuit. J'avais l'accès au circuit central. Je pouvais alors court-circuiter la sécurité et accéder à son coach. Thank you.
j'avais l'accès au circuit central. J'avais l'accès au circuit central. Je pouvais alors court-circuiter la sécurité et accéder à son bloc. De Chiourme de Horn. Inhumain et parfait. Il était à ma recherche. Toutes les sécurités de Horn étaient déconnectées. Les verrous avaient sauté. L'ascenseur me conduirait tout en haut. Toutes les sécurités de Horn étaient déconnectées. Les verrous avaient sauté. L'ascenseur me conduirait tout en haut.
là-haut, la nuit semblait s'étirer dans l'éternité. Un soupçon de désespoir s'était insinué dans la tempête de neige, comme pour partir avant la fin. L'ordinateur de Horn était ouvert. À côté de l'imprimante se trouvait une pile de papiers de premier choix. Pirater l'ordinateur de Horn aurait fait ressortir des dossiers de ses plans criminels, de ses stratégies de domination du monde, des rapports d'espionnage par hélicoptère, des écoutes illégales, des sites porno sur Internet, mais tout cela ne m'intéressait plus. J'en avais déjà vu assez comme ça. La Valkyrie était à l'origine une vierge ailée qui conduisait les guerriers au paradis. Elle était devenue un démon qui conduisait directement en enfer. Le diable était dans la drogue, je le savais, je l'avais rencontré. Et maintenant j'allais la tuer, la reine du monde des ténèbres qui avait tenté de se rapprocher du paradis avec l'argent de la drogue. Pas de supplications, de gémissements. L'honneur des tueurs, elle savait qui allait mourir. Nous savions comment tout allait se terminer, dans la douleur et la souffrance. Tout ça parce que ta femme a mis son nez là où il ne fallait pas. Les flics arrivaient pour m'arrêter. J'entendais le hurlement des sirènes se rapprocher. C'est ridicule d'avoir été aussi loin. Tu seras mort quand ils arriveront. Thank you.
êtes supérieur à lui sur tous les points. Vous êtes mieux entraîné, mieux équipé. Vous êtes au moins à 20 contre 1. Faites votre boulot. Vous êtes au moins à 20 contre 1. Faites votre boulot. Elle est à bord. On vit d'ici dès que le vent sera tombé. Je n'ai pas cette durée de poids.
tomber. Je n'ai pas cette place. Décollage dans une minute. Ils étaient tous morts. Le dernier coup de feu était comme un point final à cette histoire. Je relâchais mon doigt sur la détente. C'était fini. Tout était fini. La tempête semblait se calmer. Les nuages s'en allaient, laissant la place aux étoiles. Un peu plus près. Max Payne, ici Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. L'immeuble est cerné. Jetez votre arme et allongez-vous. Derrière la tête. Les voix des flics étaient lointaines et assourdies. Bouge plus, police! Reste où t'es! Les fantômes qui me hantaient me quittaient. En bas, New York brillait comme des diamants sur du velours noir. Tu nous as donné du fil à retordre! Conduisez-le au fichier central! Monsieur. Wallen était là, dans la foule des subalternes. Cela durerait aussi longtemps que le déciderait le responsable du secteur. Il allait dire ce qu'il fallait, je le savais, il avait intérêt. Wallen souriait d'un air satisfait, le sourire d'un vainqueur. On est deux,